Cher Dr. Jones, je représente un client aux moyens considérables qui désire introduire le saumon au Yémen. Cher Harriet Chetwood Talbot, si votre chèque souhaite vraiment gaspiller son argent, pourquoi ne s'achète-t-il pas un club de foot ? Oui, monsieur le Premier ministre, j'y travaille en ce moment. Je pense avoir quelque chose qui va vous plaire. Je veux un bon scoop sur le Moyen-Orient, un truc énorme, débrouillez-vous. Groupe de filles en tournée au Moyen-Orient, oui, peut-être. Ou peut-être pas. Projet d'introduction de la pêche au saumon au Yémen. Ceci est une blague. On a 2 millions de pêcheurs en Angleterre. 2 millions qui secouent leurs petites cannes. Merveilleux. Ce projet devient une priorité. Il faudrait capturer 10 000 saumons, les transporter jusqu'au Yémen vivants pour que votre chèque puisse les sortir de l'eau et qu'ils s'en amusent jusqu'à la saison sèche durant laquelle, naturellement, ils mourront tous. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Vous me pensez fou, c'est ça? Ce serait un miracle si ça marchait. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, il n'en ressortira rien. Il faut avoir confiance, Dr. Alfred. Tu trouves vraiment que ça se passe bien? C'est une idée extraordinaire. Je ne parlais pas du projet. Je crois que moi non plus. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette folle aventure puisse réussir.